Hey, salut à tous ses amis, c'est Narukux Kyukuz. Hey, hey! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Cette vidéo spéciale est là pour justifier mon absence de 2 mois, donc depuis le mois d'août. Donc, comme vous savez, au mois d'août, je suis parti en vacances. Et donc, j'ai profité, donc je me suis un peu déconnecté. J'ai sorti quelques vidéos que j'avais réussi à préparer un peu en avance. Donc, sur la moyenne, les vidéos vous avaient bien plu, pour la plupart. La raison pour laquelle j'ai été absent pendant presque 2 mois entiers est très simple. J'ai chopé le coronavirus, le Covid-19. Et donc, ça fait que pendant plus de 1 mois et demi, j'étais, comment dire, malade, pas en forme, voire pas du tout. Et donc, je vais vous raconter un peu mon expérience que j'ai ressentie avec le coronavirus. Ouais, le Covid de merde, comme on l'appelle parmi des grands. Mais bon les gars, avant de passer à mon histoire sur le coronavirus, j'ai préparé une nouvelle image. Mais là vous dites, mais une image de quoi? Donc attends, petit Kikou, t'inquiète pas, t'as pas besoin de poser la question, je vais tout de suite vous le montrer. Et voici l'image que vous attendez depuis le début. Et oui les gars, je me suis fait un nouveau fond vert, et ouais. Donc j'espère qu'il vous plaira. Franchement, j'ai passé pas mal de temps dessus. J'ai mes petits LED multicolores qui font de la petite lumière très cosy. Un pur plaisir. Mais avant toute chose, je vous laisse regarder cette magnifique beauté. Et je disparais. Regardez-moi cette magnifique beauté. Oh là 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 là. Donc j'ai repris pas mal de choses de mon ancien décor. Comme vous pouvez voir, il y a le tapis, il y a ma guitare. Il y a mes tops de Naruto, mes petites figurines par-ci par-là, donc par exemple celle de Gogeta Super Saiyan Blue, la statue de Miwok, la figurine de Naruto, et bien sûr, au niveau du display, j'en ai enlevé une qui était celle de Dragon Ball, et aussi, j'ai gardé celle de Jiraiya et de Luffy. Et donc au niveau des nouveautés, j'ai rajouté ce magnifique LED de Boubou, et cette magnifique figurine de Motherfucker Typhlosion. Oh ouais, c'est mon Pokémon préféré. Et franchement, je suis tombé sur cette magnifique figurine. Je fais, il me la faut dans mon décor. Ah, et je suis rajouté un petit Didier. Parce que comme vous savez, j'ai une petite histoire avec Didier. C'est que j'ai participé à Nature Glory avec Fuse 3. Donc forcément, j'ai ma petite figurine Didier à la maison. Je me suis dit, pourquoi pas l'instaurer dans mon petit décor. Et donc, j'espère que mon nouveau décor va vous plaire. Donc n'hésitez pas à mettre ton avis. Comme quoi, par exemple... Mais moi, je préférais l'ancien, il était mieux, c'était plus épuré. I'm a fire in my lady. Oui, dans ce cas, moi, je vais tout simplement répondre que même s'il te plaisait, moi, il me plaisait plus, j'en avais un peu marre de revoir toujours le même fond, et là, j'avais envie de changement. Donc, on va dire que c'est la rentrée du grand Narukux avec un nouveau fond vert. Donc, j'espère qu'il vous plaît. Donc, n'hésite pas à mettre dans les commentaires si ça t'a plu, de mettre plein de likes et plein d'abonnés et tout ça là. J'espère que vous êtes prêts pour ma petite anecdote sur le coronavirus. El Corona, le Covid. Pour commencer sur le coronavirus. Donc, il s'avère que je suis rentré de vacances à peu près le 26 août. Donc, ça fait que ma dernière vidéo elle était sortie à peu près dans la même période. Et bien sûr, je suis retourné au travail forcément. Et sauf... un de mes collègues avait le coronavirus et donc me l'a refilé. Donc ça fait que d'abord, les 5-6 premiers jours, je sens rien parce que forcément, d'abord tu ne sens rien du tout. Et après ça te vient dans la gueule et voilà, dans la tronche, tu commences à tomber malade. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'une semaine, donc on va dire première semaine de septembre, gros pur plaisir, je commence à avoir des maux de tête et des envies de vomir et tout ça. Mais bien sûr, à ce moment-là, je ne savais pas que c'était le Covid. Donc d'abord, je vais faire un premier test. Il s'avère qu'il est négatif. Ok, d'accord. 2 jours après, je revais faire un test. Toujours négatif. Donc je décide d'aller faire mon test chez un laboratoire. Les experts. Parce que mes 2 premiers tests étaient à la pharmacie. Et oui, à la pharmacie. Donc je vais faire dans un laboratoire mon 3e test. Et il s'avère que là... Oh my god. Positif. Ok, d'accord. Donc à partir de là, c'est la dégringolade. Fini le Narukux en pleine forme, hyper joyeux et prêt à vous faire des vidéos de contenu et de bonne qualité. Et bien sûr, donc là, je passe à 42 fièvres tout le temps. Donc pendant presque 2 semaines, j'étais à 42 fièvres. Et bien sûr, je n'arrivais quasiment plus à manger. Donc ça fait que j'ai perdu à peu près entre 5
et 8 kilos en l'espace de un mois. À peu près, voilà. Donc j'ai perdu un peu de poids, mais bon, entre temps, je les ai repris là maintenant, hein, parce que j'ai rebouffé un peu. Parce que je crevais la dalle, on va dire ça. Et donc, après cette perte de poids, il s'avère que pendant mon confinement à la maison, d'abord je vais rester à la maison une semaine. Finalement, ça s'est transformé en 2 semaines, en 3 semaines, en 4 semaines. Mais sauf, vous vous dites, mais pourquoi t'as pas fait de vidéo? Ben parce que j'étais couché sur mon putain de lit. J'étais complètement dead, mort, KO. Je faisais que dormir, je dormais à peu près 16 heures par jour. Je le nie pas. J'avais le crâne qui allait exploser toutes les 5 minutes. Et personnellement, dès que j'avais envie de manger quelque chose, même si j'avais pas très faim, je partais directement aux chiottes pour aller gerber un bon coup. Vous voyez les beaux vomitos, blabla. Vous savez, les petites paillettes, un vrai plaisir. Et bien sûr, il fallait surtout pas que je boive d'eau. Donc ça fait que je m'hydratais un peu la bouche et tout ça. Et j'arrivais certainement à manger ou boire légèrement. Mais la plupart du temps, j'allais tout rejeter. Donc c'est pour ça que je pense que j'ai perdu beaucoup de poids à ce moment-là. Donc c'était un pur plaisir. Donc franchement, les gars, si je dois vous dire quelque chose, même si le coronavirus est censé être presque fini, et ben en l'espace de 3 ans, depuis qu'il est là le Covid, je disais toujours que je ne l'ai jamais chopé, et tout ça, ben il s'avère qu'au bout de la fin de la 3e année, je l'ai enfin chopé malheureusement. Et franchement, c'est de la merde, franchement, c'était pas du tout agréable. Il y en a qui m'ont dit, oh moi je l'ai eu, j'ai rien senti du tout. Et il y en a d'autres, ah putain, moi j'étais complètement mort les gars. Ah ouais, d'accord frère. Donc moi, en fait, sur certains points, ça allait. Mais sur d'autres points, ça n'allait pas du tout. J'avais la dalle, je ne pouvais... J'étais hyper crevé. Et après, au niveau des maux de tête, on va dire que ça, je les ai eu peut-être pendant 3-4 jours, mais ça allait. J'ai pas eu de perte de goût ni de l'odorat. Mais bon, par contre, c'était vraiment la fatigue extrême, l'enfer. Franchement, c'était pas du tout agréable. Moi qui suis plutôt insomniaque de base, qui dort à peu près 5 heures par nuit habituellement, ça m'a fait un gros bizarre de passer de 5h à 16h. Ouais, vous voyez la différence, la grosse différence, ça fait très 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 bizarre. Et donc voilà ma petite anecdote sur le coronavirus. Donc personnellement, ça va beaucoup mieux. Par contre, j'ai des petits restants, c'est les quintes de toux. Donc comme vous savez, je suis fumeur, hein, bien sûr, c'est très mauvais pour la santé. Ne commencez pas, je vous le déconseille fortement. Et donc, suite à ça, à certains moments, j'ai des toux qui me font vraiment me sentir mal. Donc, ça fait que je tousse très fréquemment, beaucoup plus qu'avant. Donc, c'est vraiment pas du tout agréable. Donc, ça fait que très souvent, ben, en fait, je commence avec la toux à avoir des mal de tête. Donc, ça fait que je vais réussir à reprendre mes vidéos à partir de maintenant. Je vais essayer de les faire une fois par semaine, vu que je vais quand même nettement beaucoup mieux. Je suis, on va dire, guéri, hein, littéralement. Juste 2-3 points qui sont un peu mauvais, comme quoi je suis un peu fatigué maintenant. Mais sinon... ça va, j'ai repris le travail, je suis en pleine forme, je suis prêt à vous sortir des vidéos de qualité. Juste pour vous dire, on arrive dans la période hivernale, là où le coronavirus est le plus virulent. Donc bien sûr, faites attention, donc le masque n'est plus obligatoire et tout ça là. Mais par exemple, si vous voyez peut-être des gens qui sont un peu bizarres, n'hésitez pas à vous l'enfiler et vous éloigner de ces personnes, hein, on sait jamais. Hein. Moi c'est ce que je vais faire, hein, littéralement, quand je vais aller au travail, hein, des certaines personnes qui me paraissent bizarres. Toi, tu dégages là-bas et moi, je fais ma vie de mon côté dans mon travail. Ok, d'accord. Donc, j'espère que cette petite vidéo explicative pourquoi j'étais pas là pendant presque 2 mois alors que je sortais presque une vidéo tous les jours vous a plu. Donc, n'hésite pas à mettre un énorme like, à t'abonner et mettre plein de commentaires. Et n'oublie pas de mettre la petite cloche, ça te permet de savoir quand je sors une vidéo. Oh ouais. Parce que maintenant, je vais essayer de revenir au moins une vidéo par semaine. Le temps que je me réveille de ma longue absence, bien sûr, hein, vous savez. Donc, sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Gardez-vous bien et à la prochaine. Ciao, 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 les gars! Hé, hey, toi! Oui, toi! Tu sais, tu peux t'abonner à ma chaîne. N'oublie pas de lâcher ton plus gros like. Tu peux aussi activer la petite cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. J'ai aussi un compte Twitch sur lequel je fais des lives une fois de temps en temps. Tu peux me rejoindre sur mes réseaux sociaux ou aussi sur mon Discord. Si jamais tout est dans la description, n'hésite pas à aller voir. Sur ce, merci à toi et à la prochaine. Ciao, ciao, ciao !